Petite balade du dimanche. Coucou Adeline. Et avec loin de la caméra. Et avec Aziz. Aziz Monro, vous pouvez aller écouter ce qu'elle fait, c'est une artiste super. Qui adore se montrer à la caméra aussi. Ah ouais, et montrer sa vie privée. Moi j'adore, c'est mon truc. Tous les jours. Zoom sur l'oiseau, il est trop mignon. Tiens, t'as qu'à zoomer sur l'oiseau, il est trop mignon. Je vais lui courir après. Non. Ça commence à crachiner un peu. Aujourd'hui, je dois m'occuper de faire les miniatures des vlogs parce que hier, du coup, on a mis le Skyvlog 18 en ligne et je me suis rendu compte que j'avais pas fait le 17. Du coup, pour que je fasse le 17 et le 18, il faut que je regarde la vidéo, que je trouve un peu des expressions que je trouve drôles ou alors des trucs qui sont importants dans la vidéo que je veux mettre en avant dans la miniature. J'exporte ces images-là depuis le vlog, je les détourne et après, je les incorpore dans un modèle que j'ai fait. J'utilise toujours le même. Pour toutes les miniatures, je vais vous montrer. Voilà en gros comment je fais une miniature. Je sais pas combien de temps ça m'a pris, peut-être 25 minutes. Il y a quelques bidouilles encore à faire dessus. Mais comme ça vous voyez comment je travaille ça. À toutes. Aujourd'hui j'enregistre une compo qu'on a créée avec Exode et CHPTR. Aussi bien c'est Chapter. Faudrait que je lui demande quand même comment on prononce son nom. Je dois l'enregistrer depuis un bail. Kiran m'a envoyé les paroles il y a 3 mois, jour pour jour en plus. Donc je vais essayer de l'enregistrer et voilà. Ah. Down on the floor. Je m'entends beaucoup trop par rapport à la prod, c'est pas du tout assez fort dans mes oreilles. Ce que je vais faire, c'est que... Parce que c'est rapide, je vais faire tout plus lent et je réaccélérerai après. Parce que je sens que là, je vais l'enregistrer vraiment vite et l'interprétation va en pâtir et j'ai pas envie. Donc, on va baisser tout ça. On est parti. Are you what I'm looking for? Cause j'aime pas trop. Down on the floor, when I saw you walking out, I locked the doors, cause... Pas mal, je crois. Très ref. Would you follow me deep down? Oh, c'était dégueulasse. Tell me honestly, are we enemies? I only choose the safest teams. Mieux, pour qu'il y ait plus de wash, je vais faire un droit de gauche en plus loose. You never saw the real me. Peut-être sur le deuxième couplet d'abord. Took a look behind the door. Bye. All your hugs and all your kisses left my body sore. Floor. Enfin, on voit pleine, hein. Soyons fous. Fallen pieces from my core, down on the floor. Mof. Fallen pieces from my core, down on the floor. Ces trois-là, c'est moche, hein, à la fin. Deuxième partie, il y a de l'aigu. Alors, mettons de l'aigu. I'm trying to build a self-esteem. J'aime pas trop ce placement de Shirley et Dino, là. Would you follow me deep down and say you never saw the real... Oui, ok, c'est ça le placement, mais du coup ça prend beaucoup plus d'air. Tell me honestly, are we enemies? On va faire comme ça, hein. On va faire comme ça. J'ai mal au crâne. Les trucs de deuxième partie. You never saw the real me. Ok. Go with me on the sea. J'entends pas du tout le clic. Et là, il y a vraiment pas d'info, donc il me faut du clic. Hein. Sinon, ça va pas le faire. Somewhere I've been hiding things for so long, long, long. Ah oui, d'accord, c'est là que ça pousse de ouf. Go with me. Sauf qu'après ça, je n'aurai plus de voix pendant 2 jours. Comment je fais pour avoir ça, moi? En plus, avec la migraine, ça va être rigolo, tiens.
Et sur tout en voix pleine. Ah oui, tout en voix pleine, bah évidemment. You wanted my love, you wanted my love, you wanted me to show you the love that I feel, and it's real. Alors, est-ce qu'il n'y a pas tout qu'à saturer? Ok, c'est bon. Oh, bah en fait ça va, peut-être ça va. Go with me. Ok, là j'ai fait particulièrement beaucoup de prises par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, parce que je suis vraiment très très loin de ma zone de confort. Généralement je fais 3-4 prises, là j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 prises globales, plus 2 fois en petites portions. Comme ça, ça me permettait de mieux me concentrer sur ce que je voulais faire. Je verrai. Do you still, are you real? Do you still? Bon, il y a 2 secondes j'avais les graves. Bon, je les ai plus. Somewhere I've been hiding things for so long, 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 are you real? J'aimerais bien essayer d'avoir le truc grave. Do you still? Non, ça sert à rien, je l'aurai pas. Call me on the sea. Ok, j'ai mal au crâne comme Jaja. J'avais déjà de base avant d'enregistrer. Et là, je pense que le fait de pousser, puis de faire beaucoup de voix de tête, du coup de respirer énormément, ça m'a déclenché une migraine. Donc je vais prendre un Doliprane, mais avant, je veux quand même me rendre compte de ce que ça donne. Oh là là, dans 10 minutes, on part au ciné. Je pense que ça va être pas mal. J'ai beaucoup de taf de choix sur ce morceau. L'avantage, c'est que vu que je vais être à fond pour 3 jours, j'aurai que ça à faire. Non, ça va être stylé en vrai. Elle est trop bien cette chanson. Je vais l'appeler Undersea pour l'instant. Je suis contente de l'avoir fini. Je suis éclatée, mais je suis contente. On est en train de chercher des mélodies pour les couplets de On sourit. Et moi je fais la miniature du vlog 18 en même temps. Et j'arrange un peu mon ordi parce que c'était le bordel. Du coup tu veux voir un peu mes idées? Oui. Voir s'il y a des trucs. Ouais. You're the one I'm addiction. Stupid addiction. J'adore l'attaque. Deuxième phrase, j'ai un petit doute. Enfin après ça peut marcher, mais peut-être pas à chaque fois, tu vois. T'enregistres, t'as des idées. Ça pouvait être par exemple toi qui chante le premier couplet avec You're the one in my baby. Et moi qui arrive dans le deuxième couplet avec une autre mélo. I can see your body when I listen to your army. Parce que je pense que ça peut être sympa dans le trou que j'arrive en assez grave avec un truc très droit. C'était ça à peu près mes idées. Ouais. J'ai fini ma miniature, Louis a réfléchi à quelques idées. Maintenant je vais enregistrer les petites idées que j'ai eues et comme ça il pourra mettre un peu tout en commun, peaufiner des trucs et voilà. Where do you wanna go to so that I can find a place that's only mine? Voilà, enregistré à l'arrache. On va mettre un bel autotune dessus. If it's too late for us to hold it tight until there's no light. Hey! J'avais complètement oublié de filmer tellement j'étais pris par mon truc. Mais du coup, on a trouvé des idées chacun de notre côté. Et donc j'ai tout mis dans le projet et là j'ai fait ma petite bidouille, on va écouter ça. C'est normal, il y a des voix qui sont complètement pitchées parce que des fois j'ai changé des notes, j'ai recalé des trucs. On a posé les idées. On écoute? On écoute! Et bien sûr, les paroles, c'est n'importe quoi aussi. You're the one in my addiction, so when I walk, you're lovely now. And you let me know, and you let you let you go in, and you let me know. À quel moment t'as fait ton objectif de pas, toi? Mais c'est parce que j'ai dansé. Quoi? Je faisais tin 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 tin. Toute la journée, et du coup, il faut. J'ai fait beaucoup, ouais, donc j'ai fait mon objectif de pas en dansant devant l'ordi. C'est merveilleux, ça! C'est trop bien! Oui. Bucket, c'est comment? Aujourd'hui, on bosse sur la compo qu'on avait trouvée au piano il y a quelques semaines. Et là, j'ai trouvé un petit piano sympa et puis une direction de prod qui me plaît bien. Et après, j'ai envie que ça parte un peu plus rock à la fin. Pour l'instant, je suis à la partie, on va dire, un peu smooth. Tu veux écouter aussi ? Oui. Ça s'est joué avec ce piano-là.
T'aimes bien? Ça va être beau. C'est cool. Et du coup, l'idée, c'est... En fait, là, j'aime beaucoup jusqu'à là. Et l'idée, c'est qu'ici, ça parte encore plus rock. Voilà. Là, j'aimerais bien que ça parte en même... Un peu comme ce que j'avais mis dans Smell Like Teen Spirit. Ou alors, une guitare carrément un peu punk, tu vois. J'hésite entre les deux. Alors, dis Smell Like Teen Spirit, mais après, ouais. Faut essayer tout. Hein. Ok. Ça part bien. Hein. Pour avoir le son de piano, donc je mets un petit whirly qui fait en fait le bas du piano. Genre, je coupe tous les hauts. Après, je mets un petit piano sur lequel je coupe logiquement, vous avez compris, tous les bas pour garder que le haut du piano. Et par-dessus tout ça, j'ai mis une jolie réverb à la joji pour ceux qui connaissent. Et le tout ensemble. Je suis en train de passer commande pour les trucs qu'il faut qu'on achète pour le clip de Le Mauvais Choix, parce que à chaque fois on s'y prend genre 2 jours avant, même je crois que pour Flemme c'est arrivé qu'on soit la combinaison licorne le jour du tournage. Donc là cette fois j'ai envie d'avoir tout ce qu'il faut bien avant le tournage. Donc pour l'instant j'ai une tenue de Michael Myers, une perruque de The Ring, 2 longues écharpes en tricot jaune, une perruque courte blonde, un peu 70s, et il faut que j'achète un petit truc de popcorn qui se fait directement sur le gaz, espèce de truc en aluminium très à l'américaine. Et en vrai, je crois qu'il manquera pas grand chose d'autre. Il manque une tenue de Scream, enfin de Ghostface. J'ai déjà la tenue The Walking Dead. Ce clip va nous faire nos déguisements d'Halloween pour 3 ans. Ça va être chouette. Moi, j'ai commencé les choix du morceau que j'ai enregistré hier. Du coup, soit je vais faire ça, soit je vais faire des choix dans les photos qu'on avait faites avec Antoine. Je fais une présélection, lui fera sa présélection et on verra qu'est-ce qu'il y a en commun entre les deux. Une journée bien chargée. Allez, tu fais écouter. Bah ça claque. Moi j'enregistre des petites guitares pour le nouveau morceau que je suis en train de produire. Petit accordage s'impose je pense. Hop, on est pas mal. Petit métronome quand même. Hop, et c'est parti. Là, je viens d'avoir une idée du coup. On va le faire super présent. What I say, na, na, avec un petit vocodeur, je pense. Et après, oui. Ça part comme. Je pense qu'il faut que je pense plus Tamir Rice, Sun Lux. Il faut que tu penses Sun Lux, ce tout petit passage. Oui. Quand c'est pas en mode rock, tu peux le penser un peu comme ça quand c'est plus électro. Ça ok. Ça rend trop bien. J'aimerais bien que ce soit simple à chanter. C'est pas simple. Bah, c'est aigu quoi. Enfin, tu vois, je la fais pas en live. Hein. Et tu veux pas la mettre un ton en dessous? Bah le truc c'est que après mais grave je suis à l'aise là quoi. Ah oui, après là ça sonne bien, donc autant le faire comme ça. En studio faut le faire comme ça. Après là j'ai enregistré Fall Back Down il y a 2 jours hein, donc c'est normal que je joue ça aussi sur les cordes vocales. Aujourd'hui c'est la sortie de More Than Friends avec Arthur Wells et le label Panther's Groove. Qui dit sortie dit petit truc à préparer pour les réseaux sociaux, donc il faut qu'on prépare notre petite reprise acoustique. Donc on commence par ça parce que si je me lance dans la prod du morceau donc, sur lequel je bossais hier, je sais que je vais partir pour des heures et il y a moyen que je me rende compte ce soir qu'on l'a pas fait et puis qu'on soit genre à 22h à faire le truc et à poster la publication à 23h alors qu'il faut le faire plus tôt et bien. Donc on commence par ça. Ah, coucou! J'ai mis de la crème hydratante! Ok,
Donc on a les petits accords. Ouais. Et un petit jazzy un peu pour voir. Hein ? Oui, cornichon. C'est pas mal. Donc le petit BPM. En bûche. Merci. Et c'est parti en rec. C'est pas évident du tout. Pas mal. Pas mal. Et donc après on part en un peu plus jazzy. Avec la rythmique, ok. Ah oui. Ok, ok, on va la voir. Le tout, c'est d'être confiant. Pas mal. Et voilà, la guitare et record, je l'ai ici. Donc on se l'écoute pour être sûr que c'est cool. Je vais sur WhatsApp, donc là il y a un bébé pas content parce qu'on va enregistrer des bébés pas contents demain avec Tony. Et je vais dans la conversation avec Lorraine. Je prends la guitare de Morse & Friends, je lui envoie pour qu'elle enregistre sa voix. Et voilà, ça part à l'étage de la maison. Ouit, expédié. On va enregistrer l'armo. C'est parti. Oh, I don't wanna burn and let go. Ok, et toi c'était quoi? Nah. I don't wanna burn and let go. Qu'est-ce que ça donne notre histoire? Est-ce que tu peux monter le bureau? Je peux monter le bureau de combien? Bah, le mien en haut. Tout en haut? Oui, pour qu'on voit. Oh là là, l'enfer. T'es obligé de le mettre debout du coup. Voilà. Ouais. Maintenant. Alors, ouais. Voilà. Ouais. Voilà. Te bele lecce la porche des basses. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de faire une démo pour le projet de Traqued. Le consensus électoral n'est pas à venir, quoi qu'il en coûte. Nous sommes là pour excuser les escargots afin qu'ils puissent nous bénir. Très bien. Et sinon ? Et donc, du coup, sinon. Loulou, se concentre ! Oui, ça fait un moment qu'il faut qu'on envoie notre idée à Traqued, avec qui donc on est en train de collaborer. Et donc ils nous avaient envoyé une idée de morceau. Je crois qu'on bossait déjà dessus sur un des vlogs. Donc on leur avait envoyé une première démo qu'ils avaient beaucoup aimée. Et donc là, voilà, notre deuxième idée, on la rec à l'instant même. Et là, on va leur envoyer. Et puis on est content. Nous, on aime bien, on trouve que ça rend bien. Donc on espère qu'ils vont trouver que ça rend bien aussi. Voilà l'explication. Merci. Il en avait gros. Oh, le vocabulaire. C'est une chanson pour rouler en Islande. Et c'est la même chose fois deux. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de texte. Aïe, 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 y a fucking lies. Écurie. On va manger mexicain? Oui. On va à la taqueria, mais si on voit qu'il y a trop de monde, on va au italien. C'est ça. Vous êtes plus mexicain ou italien, vous? Plus Mexique, plus Italie? C'est dur, hein. Franchement, là, le choix c'est est très, 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 très dur. Allez, on envoie. Et puis, on va, tac, 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 want you run a leg, on tap. Mon œil. C'est bon? Ouais, c'est bon. C'est bien. Il y en a plein.